Bonjour. Aujourd'hui, puisque le Kosovo est à nouveau dans l'actualité, j'aimerais vous parler de la guerre du Kosovo et de l'agression de l'OTAN contre la Serbie. Attaque sous soi-disant des motifs humanitaires qui n'a pas été autorisée par l'Organisation des Nations Unies. Mais Madeleine Albright voulait absolument, je dis bien absolument, que le Kosovo soit une plateforme de l'OTAN et des États-Unis dans les Balkans. Et Madeleine Albright n'a pas changé. Rappelez-vous ce qu'elle disait des enfants irakiens qui étaient en train de mourir à cause des sanctions américaines. We have heard that 500,000 children have died. I mean, that's more children than died in Hiroshima. And you know, is the price worth it? I think this is a very hard choice, but we think the price is worth it. Alors, que s'est-il passé dans cette petite région peuplée d'Albanais et de Serbes? Du côté serbe, le Kosovo est décrit comme le berceau de la Serbie. Car il était, dès le XIe jusqu'au XVe siècle, le centre politique et culturel serbe. Il n'y a qu'à regarder d'ailleurs ces magnifiques monastères qui sont patrimoine de l'humanité et qui sont au Kosovo. En 1389, l'Empire ottoman arrive aux portes des Balkans, au Kosovo, ici autour de nous, la plaine de Kosovopoli, ce qui signifie en serbe le champ des merles. Le Kosovo, c'est la source même, c'est la Jérusalem des Serbes, c'est l'origine de la nation serbe, c'est la bataille Kosovopoli qui fut fondatrice contre les Turcs ottomans, c'est vraiment le cœur de la nation serbe. La région est autonome jusqu'en 1989, date où Slobodan Milosevic décide de rattacher le Kosovo à la Serbie. Pourquoi ? Parce que, à ce moment-là, toutes les républiques de Yougoslavie commencent à demander l'indépendance. La Bosnie, la Croatie, bien sûr, toutes ont des mouvements d'indépendance. Il y a une révolte contre le pouvoir central. Alors cette décision de rattacher le Kosovo à la Serbie n'est pas bien prise du tout à Pristina, la capitale du Kosovo. Il y a une énorme manifestation contre le pouvoir, elle fait 24 morts, dont deux policiers serbes. Les partis indépendantistes sont à ce moment-là, pour la plupart, non violents. Nous sommes maintenant en 1995. La Yougoslavie, comme vous le savez, a complètement éclaté. La Bosnie, la Croatie se sont en allés. Ils ont l'indépendance. Et c'est à ce moment-là que naquit l'UCK, une guérilla indépendantiste. En 1997, l'organisation UCK arrive à avoir de nombreuses armes en contrebande venant d'Albanie. En début 1998, la recrudescence des attaques de l'UCK font qu'il y a une présence accrue de ces troupes
paramilitaires et serbes au Kosovo. À partir de 1998 encore, Belgrade mène une très très grande offensive contre l'UCK dans une région centrale du Kosovo. C'est l'un des principaux bastions du mouvement indépendantiste. Un centre de coordination de la vérification du Kosovo créé par l'OCDE est installé à Kumanovo, en Macédoine. Pour informer clairement l'OTAN de ce qui se passe au Kosovo. En février 1999, je me rends moi-même en Macédoine, à Kumanovo, où je dois faire un reportage sur les forces françaises qui sont stationnées sur place et qui éventuellement pourraient protéger et extraire la mission de vérification qui est au Kosovo. Changement de décor, nous sommes en ex-Yougoslavie, en Macédoine plus exactement, à quelques kilomètres de Kumanovo. Ici, les forces françaises d'action rapide ont reçu une mission, évacuer nos ressortissants du Kosovo tout proche en cas de besoin. Malheureusement, on me refuse de partir avec les commandos. Je ne peux les suivre qu'en entraînement en France. Un exercice grandeur réelle a été concocté. Les hommes qui se préparent à l'action viennent des GCP, mais aussi du commandement des opérations spéciales. Alors, les négociations de Rambouillet s'ouvrent. Elles réunissent Serbes, Albanais du Kosovo et bien entendu les Français et les Américains. À en croire le Washington Post, le gratin de l'armée américaine n'est absolument pas favorable à un déploiement de force et encore moins à des frappes sur la Serbie. Le chef d'état-major aurait émis ses réserves personnellement à Madeleine Albright. Alors le 20 mars 1999, les forces yougoslaves lancent une campagne massive de répression et d'expulsion d'Albanais du Kosovo. À la suite du retrait de la mission de vérification de l'OCDE et de l'échec de la conférence de Rambouillet. La communauté internationale a réagi à la crise en 1998 en créant un groupe de contact composé de l'Allemagne, des États-Unis, de la France, du Royaume-Uni et de la Russie qui fit d'ultimes efforts diplomatiques en février 1999 lors de la conférence de Rambouillet. Vladimir Volkov, écrivain très connu, signe avec de nombreux intellectuels français une pétition contre la guerre. En vain. L'OTAN intervient avec une campagne de bombardement aérien qui commence le 24 mars. Il la justifie comme une guerre humanitaire. Mais ils n'ont pas l'aval de l'Organisation des Nations Unies. Mais qu'importe, il faut en finir avec la Serbie. Madeleine Albright est à la manœuvre. Le
24 mars 1999, l'OTAN donne l'ordre de détruire des cibles militaires serbes en Yougoslavie. C'est le début de l'opération Allied Force. 78 jours de frappes aériennes intenses, plus de 38 000 sorties effectuées. Bonsoir, l'OTAN a lancé depuis un peu plus d'une heure une nouvelle vague d'attaques en Yougoslavie. Le bilan de la première, celle d'hier soir, fait l'objet de deux commentaires différents. Opération réussie, disent les militaires alliés, qui parlent d'une quarantaine de cibles atteintes et d'aucun appareil de l'OTAN touché. Des dizaines de morts et de blessés, notamment chez les civils, disent de leur côté les Serbes. Nous essaierons tout à l'heure d'entrer en relation avec leur ministre des Affaires étrangères. Le régime Milosevic se radicalise, les Kosovars craignent des représailles. Des milliers de manifestants ont mis le feu à l'ambassade des États-Unis en Macédoine, et Moscou continue d'agiter la menace d'une réplique dont on ne connaît pas les contours. C'est très historique moment qui est au contraire de l'amitié entre les Serbie et la France, alliance historique entre nos pays, entre nos peuples. Ces frappes qui duraient plus de 70 jours semblent mener une impasse jusqu'à la conclusion d'un accord entre la République fédérative de Yougoslavie et les envoyés spéciaux de l'Union européenne. Le conflit armé s'arrête le 11 juin. 11 juin, avec le retrait des troupes de l'armée yougoslave du Kosovo. Le 10 juin 1999, la guerre au Kosovo se termine. Mandatés par les Nations Unies, près de 35 000 soldats forment la Kosovo Force, ou KFOR. Parmi eux, 8 000 Français. Le monde, selon Madeleine Albright, est un monde où les États-Unis sont, par essence, un monde indispensable pour la résolution de tous les conflits et pour les intérêts des États-Unis. Mais pas seulement des États-Unis. L'Albright Group, société de Madeleine Albright, siège au conseil d'administration d'IPONET, l'un des principaux opérateurs de téléphone mobile du Kosovo. La République fédérale de Yougoslavie a estimé entre 1200 et 5700 morts les civils qui ont été tués par les bombardements de l'OTAN. En 2010, un rapport d'enquête du Conseil de l'Europe, fait par le parlementaire suisse Dick Marty, a révélé que durant la guerre, l'UCK avait organisé un trafic d'organes prélevés sur des prisonniers serbes. C'est un trafic d'organes qui est fait sous le nez des internationaux, et ça, il ne faut pas l'oublier. Parce qu'avant d'enlever les organes, on tue les gens. Les captifs étaient emmenés en Albanie, où l'on prélevait des organes, principalement des reins, et vendus sur le marché international. Après la guerre, une liste compilée indique que plus de 13 500 personnes ont été tuées ont disparu au cours du conflit. Environ 200 000 Serbes et Roms ont fui le Kosovo. À ce long convoi militaire se mêlent également des civils serbes. L'arrière de leur voiture regorgeant d'affaires, ils sont partis de Peć ou de Pristina, craignant des actes de vengeance des Albanais de souche. Je vais en Serbie. Écoutez, j'espère que les choses se passeront bien ici, mais pour l'instant, vraiment, je préfère partir. Où allez-vous? Vous allez en Serbie? Oui, je pars à Niš. Vous pensez que c'est dangereux? Écoutez, oui, c'est dangereux, tout est possible. Et donc la Serbie est devenue l'un des pays où il y a le plus grand monde de réfugiés en Europe. Les Serbes restants, car il y en a toujours au Kosovo, ont été victimes d'abus invraisemblables.
Oui, c'est dur. Nous vivons entourés par les Albanais. Moi, concrètement, je vis dans un quartier où tous les voisins sont Albanais. Dire quelque chose, nous allons rester. Nous n'avons nulle part où aller. Ici, c'est la terre serbe, la terre sainte, et personne ne peut nous en chasser. On peut dire aujourd'hui que la perte du Kosovo par la Serbie est le traumatisme national. C'est la perte face à l'ennemi existentiel, ottoman, turc. Cela signifie la soumission du non-musulman au nouveau dominateur turco-ottoman. Alors l'indépendance du Kosovo a été proclamée bien plus tard, le 17 février 2008, lors d'une session extraordinaire du Parlement et des institutions provisoires du Kosovo, qui a déclaré cet État indépendant de la Serbie. Cette dernière s'y opposant évidemment farouchement. Mais aujourd'hui encore, le Kosovo n'est reconnu que par 114 des 193 pays membres de l'ONU. Les troupes de la KFOR sont toujours présentes sur place et la mission européenne EULEX encadre police, justice et administration locale. Le chômage est l'un des plus hauts du continent européen. Le pays vit sous perfusion internationale. Il est la plaque tournante de nombreux trafics et la réconciliation entre Serbes et Albanais est encore bien lointaine. L'indépendance n'est pas seulement contestée par Belgrade, mais le Kosovo n'est pas reconnu par l'Organisation des Nations Unies. Le Kosovo veut se doter d'une armée et le Conseil de sécurité se réunit en toute urgence. Oui, bonjour à tous. Il y a des fantômes qui reviennent hanter les assassins et le Kosovo est la mauvaise conscience de l'Occident. On a fait la guerre pour le Kosovo et c'est notre échec éclatant. Le pays le plus corrompu d'Europe, le plus mafieux, celui qui a fourni le plus de djihadistes à Daesh et à Al-Qaïda, le plus gâté aussi, 5 milliards d'euros y ont été déversés. Alors c'est mal vu d'en parler, ces histoires de Yougoslaves découragent les Yaka Faucons sans frontières. Mais ça nous touche directement. Par exemple, la semaine dernière, pendant le match de la Ligue des Champions entre le PSG et l'Étoile Rouge de Belgrade, 4-1, une gigantesque banderole avait été déployée pour dire « Merci à la France de 14-18 ». Adieu à la France qui n'existe plus. Eh bien, c'était à cause du Kosovo. C'est parce que le 11 novembre, à l'Arc de Triomphe, le président serbe a été relégué loin des autres chefs d'État, alors que l'armée serbe a été notre alliée la plus héroïque en 14-18. 40% de ses hommes y sont restés d'ailleurs. À sa place, l'Élysée avait mis Hashim Thaçi, le président du Kosovo. Ça lui a bien plu d'ailleurs, le soldat inconnu, les honneurs militaires, les troupes passées en revue. Et vendredi, il a fait voter à son parlement la création d'une armée du Kosovo, 5000 hommes et 3000 réservistes, de quoi faire une bonne petite guerre balkanique. Évidemment, les derniers Serbes qui n'ont pas encore été chassés du Kosovo s'inquiètent. Et ils ont raison ou pas ? Bien sûr. Pour fêter le vote, eh bien Hashim Thaçi a remis son treillis du temps où il était le chef de l'Ucheka, la guérilla qui assassinait les Serbes. L'Union européenne donne 600 millions d'euros par an au Kosovo. L'OTAN assure la sécurité. L'ONU assure la reconstruction. Mais le président Thaçi décide de créer une armée contre l'avis de l'OTAN, de l'ONU, de l'Europe. La créature a bien échappé à son Frankenstein. Voilà, je voulais faire un petit tour d'histoire sur le Kosovo qui peut maintenant encore se révéler très, très chaud. À bientôt donc sur ma chaîne. Et n'oubliez pas, le pouce et partagez. Au revoir.